c'est vraiment une histoire entre quatre parfumeurs. L'idée créative de ce parfum était de travailler sur une note inattendue et originale, le café floral. C'est la première fois dans un parfum féminin que le café est joué en surdose. Un contraste puissant entre un café noir et un cœur lumineux de fleurs blanches. Cette structure particulière crée une tension tout à fait singulière entre lumière et obscurité. Les fleurs blanches apportent luminosité et féminité à la fragrance. L'ultra-féminité de la note se traduit grâce à toute la partie charnelle et sensuelle de la fleur d'oranger absolue et du jasmin sambac. Le patchouli et le cèdre apportent beaucoup de mystère et une facette un petit peu plus sombre au parfum. L'accord crémeux, onctueux, est donné justement par les gousses de vanille. Pour moi, la femme Black Opium, elle est urbaine, glam rock, bien dans sa peau. Sans limite et résolument addictive. Elle est vivante, elle est intense. Ce parfum, c'est sa dose d'adrénaline.